Serroussi n'a pas tout compris. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, salut. Bonjour à tous. Salut Vincent. Bonjour, salut. Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on veut donner des primes aux gens pour qu'ils s'installent à la campagne. Bah oui. C'est simple. Il faudrait surtout payer les gens qui y restent, les malheureux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ils vont voir débarquer des nouveaux habitants, eux, ils habitent dans le Cantal depuis 40 ans gratuitement. Franchement, c'est dégueulasse, je suis désolé. Et encore, non mais, parce qu'il faut que ça marche. Tu donnes 20 000 euros à un Parisien pour qu'il vienne s'installer en Franche-Comté, je pense qu'eux sont prêts à payer 40 000 pour que les Parisiens se barrent. Hein. Donc, mollo quoi. Mais vous, Vincent, vous n'aimeriez pas partir habiter à la campagne? Mais écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, quand j'ai entendu l'intervention de Jean-Yves Pinault à l'antenne, putain... Je sens que c'est la déprime, hein. Le mec n'est pas très bien, il n'a même pas pu finir son coup de fil. On a des exemples en France depuis 30 ans. Oui, allô? Ah, on n'a plus d'exemple. Oui, on vous écoute, Jean-Yves. D'accord. Allô? Il devait être au bord d'une falaise, je pense qu'il a sauté. Hein, il n'y a pas de raison. Oui, il n'y a pas de raison, on n'a pas la vie à la campagne, quoi, tout simplement. Non, bah, c'est vrai qu'ils ont tout essayé pour que les gens viennent habiter à la campagne. Avantages financiers, maison gratuite, ils savent tellement plus quoi faire. Je pense que bientôt, ils vont être là, bah, on vous donne la ville. Voilà, venez, on ne sait plus quoi faire, quoi. Venez, fauteuil de maire, ce que vous voulez, parce que là... Il y a quand même de plus en plus de citadins qui veulent quitter les villes pour aller à la campagne. Vous avez raison, j'ai écouté Emmanuel qui a essayé de nous convaincre que les citadins devaient s'installer à la campagne. J'ai deux couples d'amis d'anciens Parisiens qui ont revendu leur T2 hein, et les autres leur T3 à Paris. Ils sont arrivés, ils ont acheté le presbytère du village d'à côté. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oh pardon, excusez-moi, désolé, j'ai pas... Non mais c'est pas moi. Ça c'est fin ça. C'est pas moi, c'est pas ça, c'est très fin. C'est pas moi, une erreur du réalisateur. C'est la régie, moi j'ai rien fait. C'est pas moi, moi j'écoute le débat. Je sais pas, c'est là, je suis désolé. Emmanuel, moi je suis d'accord avec vous. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut s'installer à la campagne. Moi, j'ai décidé de fuir aussi à Paris, mais pour d'autres raisons. C'est quand j'ai entendu Amélie Oudéa Castéra chanter à Yana Kamoura. Mdja, j'aime bien Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS. Ah, je ne veux plus vivre dans la même ville que cette personne. Ça devient beaucoup trop gênant. C'est l'enfer. Non, je sais pas quoi faire, Estelle. Non. Bon, après, en vrai, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de payer les Parisiens pour qu'ils s'installent à la campagne. Vous allez voir, avec les JO, ils vont partir tout seuls. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Alors, en parlant des régions de France, Vincent, on s'est aussi demandé s'il fallait donner son autonomie à la Corse et à la Bretagne. Ouais, bah, la Corse, c'est fait. Hein. Le gouvernement et les élus corses sont tombés d'accord pour un nouveau statut de l'île. Hein. On a un extrait d'ailleurs des négociations. Quand t'as un AK-47 sur la tempe, tout de suite tu tombes d'accord plus facilement. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ça accélère le processus législatif, voilà, tout simplement. L'accord a été ratifié, avec quelques conditions quand même. Pas le droit de brûler plus de 5 maisons par an. C'est Darmanin qui a négocié. Hein. Darmanin a donné son autonomie à la Corse et en échange, la Corse a rendu à Darmanin sa femme et son fils. Voilà. Mais vous pensez quand même que l'autonomie est une bonne idée? Bon, c'est pas nouveau, vous savez, il y a des territoires qui sont déjà autonomes. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, quartier nord de Marseille. L'autonomie, pourquoi pas? Juste, ça serait dommage de se passer de territoire aussi beau que la Corse, quoi. Ça serait bien de négocier l'autonomie de territoire, voilà, un peu moins l'autonomie de Béziers, par exemple. Je pense que voilà, c'est un peu moins grave qu'on pourrait s'en passer. Voilà. Mais en tout cas, la Corse autonome a donné des idées aux Bretons qui ne comprennent pas pourquoi on ne leur donne pas l'autonomie non plus. Parce qu'ils font pas peur, c'est tout. C'est vrai. Ils vont faire quoi? Ils vont nous lancer des du Cugnaman si on leur donne pas l'autonomie, c'est vrai. Et là encore, les négociations, ça promet, hein. Alors oui, nous sommes pour l'indépendance de la Bretagne. Bah oui, mais ils vont négocier quoi? Un taux d'alcoolémie illimité? Faut arrêter les conneries, Steph. L'autonomie de la Bretagne, enfin la Bretagne, c'est la France. Faudra un visa pour aller en Bretagne maintenant. C'est quoi ces conneries? Tu vas arriver à la douane, on va te poser des questions. Vous aimez bien Estelle Denis? Oui, je demande. L'entrée sans parapluie est strictement interdite, monsieur. Voilà, je vous le rappelle. Après, la Bretagne indépendante ou pas, heureusement, le Mont-Saint-Michel est en Normandie, donc on pourra le garder. Je crois que c'est en Bretagne. Mais enfin, Vincent Serroussi aussi tous les jours dans Estelle Midi, 14h50 et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et on